Bonjour à tous les auditeurs de VIP Radio, vous écoutez l'émission Musique Online qui est diffusée sur notre antenne web www.vipradioonline.fr. Cette émission musicale a pour but de vous présenter les artistes musicaux membres de notre association RVPB, reportage VIP, presse ad hoc, Brandt. Ces artistes nous avaient contactés au préalable via notre mail contact@vipradioonline.fr pour nous proposer de diffuser leurs œuvres musicales. Après validation de leur projet dans le cadre de notre radio associative, nous leur avons créé cette émission spécifique Musique Online. Pascal Delagarret, scénariste, donc auteur de musique. Pascal Delagarret également fait des éditos sur son site internet que vous pouvez retrouver, www.300secondesmaxi.com. Les 9 titres de Pascal Delagarret sont en priorité sentimentaux. Il y parle d'amour, seules les manières requises pour l'aborder ont été voulues, si possible, différemment. Description du titre « La femme de Dieu », auteur Pascal Delagarret, interprète Aurélie May et le compositeur Pascal Cotineau. « La femme de Dieu » rappelle les inepties religieuses, la croyance est une provocation au bon sens légitimé, on peut aussi la combattre en cédant à son tour à la provocation, le ridicule de l'un peut sous d'autres aspects mettre en évidence le ridicule de l'autre, en l'occurrence une femme fière d'elle-même ne resterait jamais auprès d'un personnage qui la bafoue. « La femme de Dieu » sur vipradioonline.fr. Il lui a dit qu'elle lui donnerait de jour un enfant sans faire l'amour, qu'elle cacherait son corps, tes yeux, tes hommes sous un chapeau. C'est clair. Il lui a dit c'est ma...
Parlons du titre Le fond de tes yeux, auteur Pascal Delagarre, interprète Aurélie May et compositeur Pascal Cottineau. Le fond de tes yeux est une chanson sans ambition. Elle nous apprend que l'on oublie parfois nos sentiments à force de les ressentir. L'amour est capable de se transformer en une sensation susceptible de passer inaperçue. À l'entendement des principaux concernés, le bonheur pour fonctionner doit être en permanence reconnu comme tel. Sinon, il s'efface par mégarde à force d'être là. Le fond de tes yeux. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai des désespoirs sombres comme l'obscurité, où seul le sol noir réussit à m'aveugler. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais. Description du titre Le Monument de Pascal Delagarre, auteur, Aurélie May, interprète, et Pascal Cottineau,
compositeur. Le monument est une institution musicale à celles qui ont perdu un être aimé au cours d'une guerre et de cette peine qui est considérée par nos influents comme quantité négligeable. Certaines ne s'en sont jamais remises, ne pas songer à elles l'espace d'une chanson aurait été les tuer une seconde fois. Le monument sur vipradioonline.fr. Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu sur le marbre glacé ce que la guerre avait tué. Déçu, j'aurais aimé lire pour que l'on puisse se souvenir du chagrin de celles qui n'ont pas vu leur fils revenir. Il n'y a pas pour toutes les mères un seul monument, une pierre. Il n'y a rien, nulle part, qui témoigne de leur désespoir. Il y a des tonnes de discours pour ce mort au son du tambour. Pas une plaque, un refrain pour celle morte de chagrin. Est-ce qu'il y a qu'une gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes ces mortes, mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes ces mortes de chagrin? Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu le nom de ces soldats, morts au feu, morts au combat. J'aurais aimé en parallèle un paragraphe sur la peine de ces fiancés, de ces femmes qui n'ont pas survécu à leurs larmes. Elles n'ont trouvé que le désert au bout de la prière, et elles se sont laissées partir puisqu'ils ne devaient revenir. En souvenir, dire que la guerre a tué aussi à l'arrière, que le chagrin est un tueur qui tire des balles en plein cœur. Mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes ces mortes, mortes d'amour. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes ces mortes de chagrin? Personne ne dit que c'est par deux. Description du titre Les derniers mots de Pascal Delagarre, auteur, interprète Aurélie May et compositeur Pascal Cotineau. Les derniers mots incarnent des rendez-vous manqués. Parfois, le hasard n'est pas à la hauteur de ce qu'il a provoqué et l'on dispose des cartes sans savoir comment les jouer. On ne s'aime pas toujours que pour le meilleur. Celui-ci nous projette parfois vers son contraire par sa simple inaccessibilité. Les derniers mots sur vipradioonline.fr. Je vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi, tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer.
plus dur à prononcer. Trois baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir, les gens passent. Notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face. Toi, tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin. Le temps, tu prenais ma main. Et là, j'attends sans un sanglot. Parlons du titre « Septième sens » de Pascal Dolagaré, auteur, interprété par Aurélie May et composé par Pascal Cottineau. « Septième sens » est une chanson sans ambition. Elle nous apprend que l'on oublie parfois nos sentiments à force de les ressentir. L'amour est capable de se transformer en une sensation susceptible de passer inaperçue. À l'entendement des principaux concernés, le bonheur, pour fonctionner, doit être en permanence reconnu comme tel, sinon il s'efface par mégarde à force d'être là. « Septième sens » sur VIP Radio Online. J'aime le goût pour ta saveur, mon odorat pour ton odeur.
leur mettre à penser leur loi. Description du titre « On ne sait pas parler d'amour », auteur Pascal Dolagaré, interprète Aurélie May et le compositeur Pascal Cotineau. « On ne sait pas parler d'amour » incarne des rendez-vous manqués. Parfois, le hasard n'est pas à la hauteur de ce qu'il a provoqué et l'on dispose des cartes sans savoir comment les jouer. On ne s'aime pas toujours que pour le meilleur. Celui-ci nous projette parfois vers son contraire par sa simple inaccessibilité. « On ne sait pas parler d'amour », signé Pascal Dolagaré, interprété par Aurélie May et composé par Pascal Cotineau. C'est tout de suite sur vipradioonline.fr. J'ai un silence dans ma mémoire, comme une absence dans mon histoire. L'amour était là pour nous deux, mais nos flammes ont brûlé le feu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est aimé par gourmandise, échangé comme des friandises. On s'est dit oui pour le meilleur, en laissant le pire pour le cœur. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir nous on s'est attaché. Alors, traduis-moi ce problème. Explique-moi pourquoi je t'aime. Pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme. Explique-moi pourquoi je t'aime. Cet instant qui devait finir enferme tout mon avenir. On ne sait pas parler d'amour. Pas de mots, pas de longs discours. On voulait s'aimer pour le plaisir et se presser d'en finir. On ne sait pas parler d'amour. On ne devait rien ressentir, seulement le goût du plaisir. Passer sans être reconnu, en passant presque inaperçu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir nous on s'est attaché. Alors, traduis-moi ce problème. Explique-moi pourquoi je t'aime. Pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme. Explique-moi pourquoi je t'aime. Cet instant qui devait finir enferme tout mon avenir. Description du titre « Tant que tu seras là » de Pascal Dolagaré, auteur, interprété par Aurélie May
et le compositeur Pascal Cottineau. Tant que tu seras là est une chanson sans ambition. Elle nous apprend que l'on oublie parfois nos sentiments à force de les ressentir. L'amour est capable de se transformer en une sensation susceptible de passer inaperçue à l'entendement des principaux concernés. Le bonheur, pour fonctionner, doit être en permanence reconnu comme tel, sinon il s'efface par mégarde à force d'être là. Tant que tu seras là. Les vents pourront souffler, proclamer la terreur, et la nuit emporter la dernière lueur. Le froid même associé au pire des hivers pourra se déchaîner. Volcans pourront cracher leur lave et leur frayeur, mais si tu restes à mes côtés, jamais, jamais je n'aurai peur. Tant que tu seras là, je ne tremblerai pas. Tant que tu au tremblement de terre, les cyclones entraînés dans leur folie les mers, le froid même associé au pire des hivers pourra se déchaîner, à imposer l'enfer. Le monde entier pourra sombrer. Si tu restes à mes côtés, jamais, jamais je n'aurai peur. Tant que tu seras là, je ne tremblerai pas. Tant que tu seras là, du titre « Tel que je suis », auteur Pascal Delagarret, interprète Aurélie May et composé par Pascal Cottineau. « Tel que je suis » fonctionne aussi au masculin. Les autres, comme nous-mêmes, ne sont que ce qu'ils sont. Il faut apprendre à les voir pour ne pas être tenté de les imaginer. Parfois, on colle à l'élu une affection qu'il porte comme un costume mal coupé. À partir de cette dérive sentimentale, on n'échappe pas aux frustrations de tous ordres, dans nos déceptions amoureuses pour advenir compte sur notre déni de la réalité. « Tel que je suis ». Face à toi, j'ai voulu abaisser les paravents, mettre mon cœur à nu, déshabiller mes sentiments. Face à toi, j'ai voulu tomber le bouclier pour que mon âme
Description du titre « Alors, tu pourras partir », auteur Pascal Delagarre, interprète Aurélie May et compositeur Pascal Cottineau. Ce titre parle de ce peu de temps partagé, vraiment lorsqu'on dit s'aimer, nos histoires nous permettent juste de se croiser. Cette chanson « Alors tu pourras partir » est un fantasme qui souhaiterait voir le temps s'arrêter lorsque ceux qui s'apprécient sont éloignés l'un de l'autre. Alors, tu pourras partir sur vipradioonline.fr. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer. S'il fallait ta main toujours au creux de la mienne, à chaque matin pour que le soir revienne. Et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon sous peine d'être arrêté. Et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles ont baissé, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour de la prison les jours pour les laisser filer. S'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant. Et si l'aube en sommeil attendait ton retour, c'est la fin de notre émission. Vous avez écouté Musique Online sur notre antenne web le www.vipradioonline.fr de l'association RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt.
Si vous avez besoin de contacter l'un de nos artistes de l'association, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, nous vous mettrons en relation. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous souhaitez également que nous diffusions vos projets musicaux dans notre émission Musique Online, écrivez-nous sur notre boîte mail contact@vipradioonline.fr. I just can't get enough.